the women and the children. I'm talking. Eh bien salut tous les gamers, les gamers, c'est Gaming et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Mob of the Dead du nouveau pack Uprising pour améliorer la Blunder Gat, arme spéciale du jeu s'obtenant de la boîte grâce au Acid Gat pour la transformer en Blunder Gat acide ou Acid Gat. Il vous faudra 3 pièces, donc la première pièce qui se situera à côté du spawn sur ce plateau repas que je vous montre après, dès à présent, donc elle n'est pas compliquée à trouver. Si jamais la pièce ne se situe pas à cet endroit là, elle peut se situer à un deuxième endroit. Elle se situera donc à l'MP5K, donc vous faites demi-tour, vous allez à l'M14, vous montez cet escalier, vous tournez à droite au fond du couloir, puis vous tournez à gauche et vous tombez, vous longez la MP5K et puis vous tournez à droite. Et là il y aura la mallette, donc la petite valise pour améliorer la Blunder Gat. Donc les pièces, la première pièce ne peut se situer qu'à ces deux endroits. Donc moi personnellement, la première pièce, elle se situait sur le plateau repas, et quand vous la prenez, ben voilà ce qui se passe. Donc regardez, le logo apparaît. Donc la deuxième pièce va se situer tout près de la toux cerise électrique. Donc vous tournez tout droit, vous tournez à droite, à gauche. Ensuite vous allez, regardez bien, donc on est à côté de la cafétéria, vous allez à gauche. À gauche elle pourra ou être sur ce plateau, donc elle se situera à l'infirmerie, ou sur ce plateau. Si jamais elle n'est pas sur ce plateau, elle va pouvoir se situer juste à côté, près des baignoires, dans le coin à gauche simplement, ou à gauche, donc ici sur ce plateau repas qui est ma droite, et là je ne le montre pas parce que j'ai un bug de caméra. Et si elle se situe pas là, elle se situe juste dans ce coin par terre. Donc c'est vraiment pas très compliqué, donc c'est juste infirmerie, vous cherchez bien, ne vous inquiétez pas, elle est hyper visible. Donc moi personnellement, elle était sur ce plateau repas, je l'ai ramassée et puis on était content. La troisième pièce, elle va se situer dans la Warden Office, donc là où il y a passe-passe tout simplement à ouvrir avec le pouvoir. Donc la première pièce pourra se situer où ? En dessous de la Uzi, donc en dessous de la Uzi dans les décombres ici, donc regardez bien où je suis. Ou alors elle pourra se situer à gauche de la boîte, près de ce petit tabouret. Et si jamais elle n'est pas là, et bien tout simplement elle pourra être au dernier endroit, donc à gauche de passe-passe. À gauche aussi de cette petite cheminée, donc juste par terre dans ce coin. Donc vous inquiétez pas, elle est bien visible aussi, donc toutes les pièces sont bien visibles. Donc moi personnellement, la pièce était à droite, non, à gauche de passe-passe. Voilà. Alors quand vous avez toutes les pièces pour construire la Blunder, pour améliorer la Blunder Gat, vous faites des boîtes jusqu'à obtenir la Blunder Gat qui se pompe. Surtout ne les changez jamais, c'est vraiment le pompe à avoir, l'arme à avoir. Donc quand vous avez obtenu la Blunder Gat, vous allez vous rendre à la toux électrique. Donc vous allez au premier chien, vous montez le double escalier si vous voulez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la map, vous montez le double escalier, vous tournez à gauche, et là il y aura la toux cerise électrique ainsi qu'une table de craft, et vous craftez tout simplement l'acide gat, et après l'acide kit, et puis vous vous mettez votre blender gat et vous la récupérez une fois qu'elle est bien acidifiée. Bien entendu je tiens à préciser, mais rien du tout en fait, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo ma compagnie vous aura plu et que je passerai sur la Zombie Community FR en espérant être peu. Merci à eux, merci à vous. Likez, commentez et partagez, ça fera vraiment énormément plaisir pour ma chaîne, surtout qu'on atteint déjà les 300 abonnés. Je ferai une vidéo spéciale 300 abonnés, vous avez. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, ben vous faites ce que vous voulez. Donc tout ce que je vous ai dit, donc likez, commentez, partagez à tous vos amis, c'est très important, et abonnez-vous surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et ciao, yes. Allez, j'ai déjà foiré, bon allez, à une prochaine vidéo, ciao les gens. Bye. C'est vrai que je suis con quand même, hein, non ? You're right.